Yahoo, Bidi j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur les éditions Akata. Et. Bah, je vais t'expliquer un petit peu. De base, euh, j'ai prévu donc pour cet été de te faire le lundi des vidéos conclusion de maison d'édition. On va respecter l'ordre alphabétique pour la présentation. Et le samedi, tu auras donc des vidéos top 5. Mais avec Akata, ça a été très 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 compliqué de me contenter d'un top 5 et en fait je t'ai fait un top 10. Mais je t'ai fait un top 5 x 2. Je m'explique. Il y a donc 5 mangas qui sont classés shojo et 5 mangas qui sont classés seinen. J'ai voulu rester dans les mangas de la collection principale. Je ne suis pas allée dans le dans le What the Fuck. Je ne suis pas allée dans les titres avec des sujets comme mon père a colliqué moi a dû mon utérus, etc. etc. Je suis restée sur du public plus large. Mais euh, si tu veux savoir quel genre de manga j'aime chez Akata, je t'invite à aller voir la vidéo, les trois vidéos, parce qu'il y en a trois au total. Déjà vidéo conclusion de maison d'édition sur Akata ou voir mes vidéos euh, présentation. De façon, à chaque fois... Sur la chaîne, tu as accueil, view, euh, vidéo et playlist. Tu vas dans le playlist et tu regardes par maison d'édition. Tu as soit par âge, soit par genre, soit par euh, maison d'édition, soit tu as par catégorie de vidéos, genre les What News, tome 1. Enfin, d'ailleurs, tome 1 et What News vont être fusionnés, les deux dossiers. Et euh, voilà donc tu as vraiment très facilement pour retrouver ce qui t'intéresse Donc si tu veux des avis sur les titres de Akata Sachant que j'ai euh, présenté quand même toutes mes lectures Il y a 2-3 vidéos qu'on sauté, mais je ne vais pas tarder à les représenter Et bien je t'invite tout simplement à aller dans la playlist spéciale Akata Je te la mets en i et en barre d'infos si jamais Donc voilà euh, j'ai juste voulu rester dans le... Dans le grand public aussi, tout simplement, parce que souvent les titres intéressants de Akata comme ça, avec des vrais sujets, à du mon utérus, je redis, par exemple mon père alcoolique et moi, sont des one shot. Et j'envisage de te faire aussi quelques vidéos euh, top 10 one shot ou top 5 one shot, euh, genre sur un thème en particulier, etc. Donc, j'ai pas voulu non plus que tu aies trop de doublons dans les vidéos et, en et du coup pouvoir te présenter plus de titres. Donc je m'excuse pour ce passage de la vidéo, c'est juste la présentation d'un seul volume, tout simplement parce que en fait je me suis rendu compte en faisant le montage que je m'étais très très mal exprimée et que j'avais très très mal expliqué surtout le scénario du manga. Donc pour le manga plus jeune que moi, qui est une série terminée en 3 tomes ou 4. J'ai un petit doute, je crois que c'est 3. Euh, des éditions Akata. Donc on est avec Shihiro Hiro. C'est un manga qui va nous mettre en avant une relation de couple avec la fille qui est plus âgée. L'avantage c'est alors à savoir qu'il y a qu'un seul autre manga qui va être dans le même thème que ça qu'on a chez les Éditions Soleil. Mais les Éditions Soleil, on est avec un encore qui est étudiant et une qui est dans le monde des adultes, qui a un travail surtout. Et là, on est juste avec des camarades de classe. Donc c'est avec un scénario école, sauf que la jeune fille a une ou deux années de plus que le garçon et c'est tout en fait. Et mais il y a pas mal de mise Alors c'est dans le genre adolescence, romance et famille. Mais il y a pas mal de choses en fait qui font que bah, il, des fois il a un comportement d'une un, personne un peu plus jeune Et beaucoup de gens lui font la remarque, euh, leur font leur remarque en fait sur le fait qu'il y a une petite différence d'âge Qu'ils ne soient pas de la même année, souvent dans les mangas ils sont de la même année ou autre donc voilà, et surtout, là, c'est la fille qui est plus âgée, donc on leur fout quelques petits pics, etc., il y a quelques petites remises en doute, etc., dans leur relation, mais c'est quelque chose de très mignon, et c'est surtout euh, une chose que j'ai su apprécier, c'était, un, donc le fait que... Pourquoi j'ai l'impression que mes doigts sont plus foncés Non. <laughs> un, que du coup, euh, le personnage féminin soit plus âgé, et deux, justement, qu'il y ait cette histoire de... Ouais, que la fille soit plus âgée et aussi le fait qu'on soit à l'école parce que ça permet aussi de montrer une romance à l'école avec euh, voilà une différence d'âge où la fille est plus vieille et après on a la version justement jeune adulte parce que justement le, le garçon je crois qu'il a il est encore dans les études, mais genre à la fac, un truc comme ça. Et que la jeune fille, bah, elle a juste, je crois, arrêté ses études avant et qu'elle a commencé à travailler. Ou... En tout cas, elle est un peu plus vieille que lui. Mais tu vois, ça joue aussi, c'est un peu comme euh, ce manga, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant. Bref, en tout cas, c'était une excellente lecture. Après, peut-être que je le relise pour te représenter peut-être encore mieux. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai sûre kiffé cette série. Et on est dans la collection Figgood j'ai oublié le dire. D'ailleurs, à chaque fois, les séries chez Akata, il faut savoir que c'est ça aussi l'avantage de Akata. C'est que à part une seule de leurs séries, euh, que je... Ouais. Il y a deux deux trois séries qui sont en 15 tomes et une série qui est beaucoup plus longue. Mais sinon, tu as facilement des séries en 5-6 tomes. Et donc, vraiment, 6 tomes, c'est même assez... Bon, euh, enfin, c'est une série longue déjà chez Agatha, donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est que tu peux te faire plein de séries pour pas très cher. Et euh, voilà, tu t as, t as pas, euh, enfin, quand tu vois que tu as une série en 4 tomes ou 5 tomes à 6,95€, c'est pas des séries où tu as 8,05€ par exemple le titre, etc. etc. Toujours est-il. Ensuite, on a Don't worry, be happy, pareil dans la collection, feel good. Je pas fait exprès. Euh, donc, en ce qui concerne ce titre, on est sur un shoujo assez standard, classique, comme on peut voir assez régulièrement, mais la différence c'est que nos deux protagonistes et tous les personnages qu'on va suivre sont dans le conseil des élèves et donc forcément tu vas avoir des... le shoujo assez quand même classique mais on voit aussi que les personnages sont assez différents déjà de base par rapport au chojo standard et là aussi où ça fait la force c'est que bah, par exemple moi j'en ai un petit peu marre de ces scènes de voir les scènes par exemple où ils prépare la leur porte ouverte pour leur collège ou pour leur lycée, parce qu'on tombe quasiment sur les mêmes scènes, avec les mêmes actions des personnages, etc. Ils sont bien lourds. Et là, en fait, non, parce que forcément, le conseil des élèves, eh ben, ils ne font pas exactement la même chose que les autres. Et puis, d'habitude, on est dans le bâtiment avec, euh, par exemple, le mec café ou la truc des horreurs. Là, ils sont dans les allées à l'entrée. Et ça, souvent, ben, nos protagonistes, ils sont jamais dans ce genre de, de truc à l'entrée du lycée. Ils sont toujours à l'intérieur, dans leur classe. Et déjà, ça change toute la donne. Et la série est vraiment très, très, très intéressante. Et les personnages aussi sont très changeants de d'habitude. On est dans le genre romance associatif et quotidien, il est aussi à 6,95€. Ensuite, on continue avec euh, Ungli Princess de Natsumi Aida. Un, je précise parce que c'est un mangaka qui a pas mal d'œuvres disponibles en France. On est dans le genre romance, quotidien et société. Pareil, 6,95€. Donc vraiment, les shoujo de Hakata sont pas très chers. Donc franchement, fonce parce que ça, c'est vraiment le manga les moins cher quasiment sur le marché. Pour ce qui est de Ungly Princess, il est en 7 tomes. Et, euh, donc, je te le dis direct, j'ai eu le dernier tome en collab. Je tiens toujours à le placer pour être totalement transparent avec toi. Euh, je ne sais pas si j'avais pas eu le dernier tome de Don Very Be Happy euh, offert. Euh, mais il y a toujours euh, J'ai toujours un doute sur le titre, mais je crois que c'est le dernier tome de Don't Very Be Happy. Toujours est-il. Euh, pour ce qui est de Ungly Princess, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on suit les aventures d'une jeune fille, euh, déjà qui est pas très très jolie esthétiquement au, au début, et surtout en fait, les gens pensent qu'elle est grosse tout simplement parce qu'il s'arrête. Et c'est vrai que les gens regardent principalement en fait ce que tu vois là sur YouTube. Et euh, donc, du coup, elle a des grosses joues, et tout le monde pense qu'elle est très très grosse, alors que absolument pas. Et en plus, c'est un personnage ultra timide. Voilà, tu vois, elle est tout sauf très jolie. Alors en plus, là, l'auteur s'est amusé un petit peu elle à, à dire pour les premières pages. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. En ce qui concerne cette jeune fille, on est donc sur une fille qui n'est pas forcément très jolie. Elle a un prénom qui euh, prête à moquerie plus elle a comme moi les joues qui rougissent très facilement. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis au maquillage et au fond de teint parce que j'ai les joues qui rougissent dès que j'ai un peu couru, dès que je suis stressée, dès que on fait un compliment, dès... voilà, Alors, toujours est-il. Donc euh, je me suis vachement identifiée au personnage surtout que voilà, elle est ultra timide et ce qui est pas mal c'est que justement on voit qu'elle est amoureuse au départ d'un garçon mais ça marche pas et euh, finalement elle va bosser déjà sur sa timidité, elle va faire des progrès mais Là où c'est réaliste, c'est que ça va pas se faire du jour au lendemain. Car oui, bosser cette timidité et réussir à vaincre cette timidité ne se fait pas du jour au lendemain. Je peux te le garantir. Et c'est ça qui est très intéressant. Et l'histoire en soi est plutôt mignonne et pleine de petites morales, ce qui peut être pas mal pour les plus jeunes. D'ailleurs, je pense que à côté de moi ici, tu auras vu les logos d'âge conseillé. Et donc, franchement, c'est un manga que je te conseille, et qui est vraiment très 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 intéressant. Ensuite, on va parler de SOS. Là. Toujours été dans le genre romance, humour et quotidien. De toute façon, je pense qu'il est aussi à 6,95€. Euh, donc, dans ce manga, on est avec un, pas mal d'humour. Là, par contre, il est un petit peu décalé. Il n'est pas du what the fuck, mais il y a quand même un peu de ça. Tu vois, ça te termine de. de t'entraîner. Donc, pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui est au lycée, qui est amoureuse de son meilleur ami d'enfance et, en fait, du jour au lendemain, il y a son elle du futur qui va débarquer et qui va lui dire, écoute, on a... <laughs> J'ai l'impression de répéter parce que je l'ai présenté dans la vidéo conclusion de Maison d'édition. Euh, donc, euh, écoute, on a merdé, il faut que tu changes les choses parce que là, notre... Euh... Euh, je ne retrouve pas le nom du garçon mais toujours est-il le garçon donc dont elle est amoureuse depuis toujours euh, va se marier et donc euh, nous on a merdé notre vie elle lui explique un petit peu ce qui s'est passé on, elles en sont elles mêmes euh, en gros euh, donc voilà et euh, donc ça c'est très intéressant beaucoup de gens ont dit quand j'ai présenté ouais ça ressemble à Orange non 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 non, non c'est pas du tout la même chose ici on est sur l'humour Orange on est sur quelque chose de sérieux on est sur seinen parce qu'au départ il a été publié sur un catalogue shojo puis dans un catalogue seinen mais au, au final euh, voilà on n'est plus sur ça là on est sur l'humour on est sur euh, autre chose sur quelque chose de plus léger déjà à lire et euh, je trouve le manga très intéressant parce qu'une fois de plus je le redis il nous met en avant le message de il faut penser à vivre au jour le jour et pas forcément penser que au futur un truc que moi je fais énormément je le redis j'aime pas du tout répéter les choses mais toujours est-il je, je suis une personne qui euh, voit beaucoup au futur qui réfléchit sur le long terme mais euh, le court terme j'y pense pas et je euh, de plus en plus j'oublie en fait de profiter du moment présent parce que justement j'ai trop peur je connais je sais très bien que il va m'arriver des choses, je vais forcément souffrir, tu te mets dans une nouvelle amitié, tu souffres, etc. Donc, je cherche plus au plus loin, plutôt que vivre sur le moment même. Et justement, le fait de ne plus vivre sur le moment même va lui porter préjudice. Et donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est que tous ces petits messages, ces petites morales, et le fait justement, de, au lieu de se dire, oui, j'ai le temps pour lui dire que je suis amoureuse de lui, te dire, non, 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 si ça se trouve, demain, il va se passer un truc, il va tomber amoureux d'une fille. Et ça sera avec elle qu'il va finir sa vie. Parce que là, on nous le dit, c'est son amour de lycée avec qui il va se marier. Donc, c'est-à-dire que là, c'est maintenant qu'il faut bouger son cul. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans un an. T es là maintenant tout de suite parce que sinon, tu vas te le faire piquer. Et donc, c'est ça que aussi que j'ai su apprécier. Je ne l'avais pas dit ça dans la vidéo d'avant. Tant mieux. <laughs> donc, voilà. C'est encore une fois une histoire que j'ai su apprécier. Bless you. Oui. Alors, je te préviens, après, c'est que c'est le manga que je ne t'ai pas présenté dans la vidéo conclusion de saison 3. Toujours est-il, Bless You, série en 5 tomes, 6,95€ aussi, romance fanta euh, fantastique et LGBT. Donc, à savoir que ce manga, donc, on suit les aventures d'un jeune homme, et, donc il va pendant 100 jours d'affilée à un temple, parce qu'il y a une légende donc, qui dit au temple, si tu vas 100 jours d'affilée dans un temple, ton vœu se réalisera. Le jeune homme a un seul vœu, c'est en fait de tomber euh, que son meilleur ami d'enfance, qui est un garçon, tombe amoureux de lui. Malheureusement, bien entendu, le copain il est hétéro. Et du coup, au moment de reculer de la scène où il vient de déclarer sa flamme, il va se faire percuter par un camion. Le dieu décide du coup de lui accorder son vœu. Et il va demander donc à être incarné dans une femme, mais pas n'importe quel genre de femme, une lycéenne qui correspond exactement aux critères de beauté qu préfère, que préfère son meilleur ami. Comme ça, il se dit déjà, physiquement, j'ai tout pour plaire. Il m'aime bien en tant que meilleur pote, ça devrait le faire. Mais malheureusement, on nous met donc en avant, bien entendu, que l'enveloppe corporelle ne veut absolument rien dire et que c'est pas parce que la fille va lui ressembler comme deux gouttes d'eau au portrait préféré de l'homme, enfin de son meilleur copain, que euh, forcément il va tomber amoureux. C'est un peu comme moi qui, est, euh, qui suis vraiment attirée par les Asiatiques. Et quand je dis Asiatiques, mon Dieu, arrêtez de me dire que c'est juste japonais, coréen. Chinois, Thaïlande, Laos, Vietnam et compagnie, ça va avec pour moi. Toujours est-il, euh, et donc c'est pas parce que je vais tomber sur un mec asiatique que forcément je vais ça va être l'amour de ma vie, je vais craquer dessus automatiquement. Non, <laughs> il y a aussi le mental qui va avec. Toujours est-il, donc le manga nous montre un peu ça. c'est bien, c'est qu'il va développer légèrement et ça, ça peut être pas mal pour commencer un petit peu du riz, un petit peu du yaoi, du coup, vu que voilà, rien. et aussi la transidentité. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet d'apprendre, de, de développer, de connaître et de, de, comment dire, de commencer le chemin tout doucement sur tous ces sujets-là. Ensuite, on va continuer avec le manga Orange, officiellement terminé en 5 tomes, puis après on a eu un volume bonus, qui est donc le sixième tome. Donc tu peux t'arrêter au tome 5, moi je me suis arrêtée au tome 5 et j'ai voilà, jamais repris parce que ben, j'ai un peu la flemme. Euh, Orange, donc on suit les aventures de 3, 4, 5, 6 camarades de classe. Et dont un, en fait, euh, voilà, en fait, on, dès le départ, c'est mes camarades de classe. Le garçon au milieu, du coup, est à nouveau et il va se euh, atterrir dans un groupe. Malheureusement, en fait, dès le départ, les, on découvre que la jeune fille principale a une lettre de son elle du futur qui lui dit Écoute, aujourd'hui, à telle heure, il va se passer ça, 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 ça. Et il faut absolument que tu empêches, donc, du coup, le nouveau de faire des bêtises parce que je crois qu'elle lui dit directement que, il, que dans le futur il s'est suicidé donc empêche-le de mourir etc. Donc rien à voir tu vois avec Orange. Oui elle retourne dans le passé mais c'est tout. Autant dans le... dans SOS Love le personnage du futur vient dans le, dans le passé, autant là elle a juste une lettre. Une pauvre petite lettre. Alors je suis désolée ça date d'il y a un petit moment parce que je voudrais savoir quand est sorti le tome 1. En 2014 donc j'ai dû le lire en 2015 sur mon... Donc, c'est un petit peu vieux quand même pour moi. Donc, ce que j'ai énormément aimé dans ce manga, c'est qu'il nous mettait en avant en fait la dépression et le fait vraiment d'avoir des pensées très 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 négatives, etc. Et donc, l'envie de, bah de mettre fin à ses jours. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, j'ai vraiment aimé justement le scénario, l'aventure et comment l'histoire a été développée. Ce qui est bien, c'est que malgré le fait qu'on ait six personnages clés et aucun n'est mis de côté. Tout le monde va être développé et ça c'est vraiment quelque chose de bien parce que des fois les mangas sont des fois oubliés un ou deux personnages sur une bande comme ça de six personnages et là absolument pas. On est en genre sans -s -s fiction, poésie et romance. Donc on continue, je les ai pas mis du tout dans l'ordre, hein. je les ai mis comme ça. On va avoir double jeu de Reiko Momoshi. Alors honnêtement, je le mets, mais... Je le mets dans mon top parce que j'ai vraiment adoré l'histoire, mais honnêtement, je vais le relire pour te le présenter en octobre pour la collection Halloweenesque. C'est un hurlement dans les bois, voilà. Dans ce manga, on se fait de deux jeunes filles, deux jumelles. Malheureusement, l'une d'elles va mourir et l'autre, en fait, si tu veux, euh, les deux jumelles passent leur temps à échanger leur, père, euh, leur identité, tout simplement parce que très jeune. Et euh, une, jeune, une des deux est tombée dans la rivière et donc le père a voulu les, la sauver et le père est mort. La mère a donc rejeté la jumelle qui était fautive et donc pour que les deux jumelles quand même puissent profiter de la mère, les deux échangent leur identité. Malheureusement en fait, la, la jumelle qui va mourir était dans l'identité de l'autre. Donc la deuxième devra passer du coup sur les cinq volumes tout son temps à se faire passer pour son autre sœur ce qui est vraiment quelque chose d'horrible au niveau de la situation, etc. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, après, on va passer, donc forcément, c'est le monde dans les bois, parce que, justement, la jumelle restante va se battre pour chercher et pour trouver et pour, euh, justement, faire arrêter le coupable, parce qu'il n'a pas été arrêté, parce que c'est un truc, tu sais, euh, ça a été fait pendant la nuit, da, 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 on n'a pas de preuves, on n'a rien, et donc, euh, pendant les cinq volumes, on va voir la jeune fille se battre contre tout le monde, euh, pour trouver justement le coupable, la personne qui a tué sa sœur. Une histoire juste magnifique et très poignante. Est-ce que ça se détonne si je te le présente Le mari de mon frère. Donc, dans le manga Le mari de mon frère, on suit les aventures de trois personnages clés. Le mari de son frère. Voilà. Donc en gros, on suit les aventures de cet homme qui a donc une jeune, une fille, et donc il n'y a plus de maman, ça on le voit dès le départ. Et en fait, euh, son frère, donc son mari à lui, est mort. Et donc le, le gars, donc là on est au Japon. Lui, il vit au Canada avec son mari et il est mort. Donc il va revenir au Japon pour rencontrer enfin la famille de son Marie et découvrir enfin qu'il était où il vivait etc pour en connaître un peu plus quand même sur l'homme qu'il aimait et qui est mort et ce qui est très intéressant c'est que du coup le grand frère je crois c'est le grand frère enfin le frère et au départ a des réactions homophobes parce qu'il ne sait pas ce que c'est grosso modo et c'est ça qui est très intéressant parce que justement mike qui est donc le, le canadien va nous apprendre au fur et à mesure vraiment les informations sur l'LGBT parce qu'on va avoir des pages informatives. Euh, donc Mike va nous faire carrément des cours pour nous expliquer certaines choses. Voilà, on a des entre chaque chapitre on a des petits cours de Mike pour nous apprendre certaines choses sur l'univers LGBT. Et ce qui est très intéressant, c'est justement, c'est que même si on n'est qu'en 4 tomes, c'est vrai que c'est un petit peu court, ça aurait été bien en 5. Il me semble que j'avais dit ça aussi dans la vidéo. Mais en fait, euh, au fur et à mesure, le, justement, le frère va apprendre à ne plus avoir peur de Mike et à se rendre compte qu'en fait, Ben, c'est une personne totalement normale. Hein, c'est juste une orientation, une préférence, euh, voilà, plutôt qu'une autre. Mais qu'en aucun cas, c'est quelqu'un de dangereux, en aucun cas, c'est quelqu'un de malade, en aucun cas, c'est quelqu'un. De... Euh, Qu'il faut fuir et, euh, et que ça peut être une personne très gentille, très agréable. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant. A savoir d'ailleurs que l'auteur a plusieurs œuvres disponibles en France, dont certaines qui ont été stoppées au niveau commercialisation. Et ça, c'était avant. Et euh, que Akata a sorti une nouvelle série de cet auteur. Et euh, donc voilà. Et ça, j'ai très très hâte de la lire. Voilà! On continue avec l'avant-dernier titre et je vais te parler de la fillette au drapeau blanc. Je tiens à préciser que celui-ci, titre, je l'ai eu de la part des éditions Akata et en fait j'avais même rien demandé parce qu'au départ j'avais juste demandé le dernier tome de Don't Worry, Be Happy. C'est ça, le titre je crois du de deuxième manga. Et Bruno, donc celui qui s'occupe de moi chez Akata, m'a glissé ce titre en me disant tiens, oui, je suis sûre tu vas kiffer et tout ça. On est en fait en avril 1945 à Okinawa et on suit en fait les aventures d'une jeune fille, j'essaie de trouver son nom. Tomiko, ouais, voilà. Et en fait, donc c'est pendant la guerre du Japon avec les États-Unis, si je dis pas de bêtises. Et donc du, on suit les aventures de cette jeune fille qui au départ vit avec sa famille, avec ses parents seulement. Je ne sais plus s'il si y a la mère au tout début, mais toujours est-il que le père, il va partir à l'autre bout du Japon pour pouvoir travailler, pour pouvoir leur... parce que là où ils sont à Okinawa, c'est plus possible pour le travail, mais il laisse ses enfants sur place. Et du coup, comme la guerre commence à éclater plus en plus, ils sont obligés, les enfants, de fuir. Et euh, la jeune fille, en fait, au fur et à mesure, va se retrouver séparée de ses frères et sœurs. Certaines, euh, voilà, par certaines euh, circonstances, et il faut qu'elle survive. Et donc, on va suivre les aventures de Tomiko euh, lors de cette survie. décide de survivre justement dans la nature toute seule, alors que c'est une enfant. Hein, je sais plus quel âge elle a, mais euh, même sur la photo à l'arrière, on voit bien que c'est une petite fillette. Je crois qu'elle a 8 ans, un truc comme ça. Et c'est une histoire très belle, très touchante, très poignante et très intéressante, sachant que c'est euh, Saya euh, Miyochi qui a écrit ça, mais c'est d'après la vie de Tomiko Iga. Donc Tomiko Iga a réellement existé, et donc c'est ça aussi qui est très intéressant au niveau du manga. La qualité de dessin est assez simple, mais je crois que la série date d'il a un petit moment au Japon. Je ne suis pas très sûre. J'ai de 2017 en, en France, mais euh, je crois que. Ouais, 2005 au Japon. Donc c'est pour ça aussi que la qualité de dessin n'est pas forcément la plus belle, mais c'est vraiment une des, euh, des histoires les plus intéressantes. Et est-ce que tu es en train de te dire. De... Attends, Ibi nous a fait un top 10 des éditions Akata sans. Sans le manga. Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Oui, je sais, j'avoue, j'abuse. Mais je me voyais pas ne pas le mettre. Donc le manga sans aller à l'école, je suis devenue mangaka On suit les aventures d'un maternel qui a eu à l'époque le malheur de dire à sa maîtresse qu'il n'avait pas compris un exercice. Et la maîtresse s'est complètement braquée. Et si je dis pas de bêtises, parce que ça date, je voudrais aussi pas dire de bêtises, mais voilà, il date de 2016. Mais en fait, euh, justement, il s'est pris une gifle. Je... Ouais, c'est ça, il lui fout carrément une gifle. Et donc il finit en larmes et ça l'a traumatisé et au final du coup il va nous faire une phobie scolaire. On va suivre les aventures et ça c'est donc la vie de l'auteur. On va suivre donc les aventures de ce personnage, de ce petit enfant qui va être complètement déscolarisé, qui va carrément donc faire une phobie scolaire très très jeune et euh, on voit du coup l'envers du décor de tout ça et on va le voir essayer quand même de réussir sa vie en étant mangaka tout simplement parce que il a toujours aimé dessiner quand il était tout petit il adorait Dragon Ball Z et euh, enfin tout ce univers Dragon Ball Dragon Ball Z tout ça je, dis, je disais de, par réflexe et donc du coup on va voir l'évolution de ce jeune homme et finalement le, du passage de l'enfant à l'adulte et donc au moment où il réussit finalement à nous faire son premier manga et c'est ça qui est très intéressant à savoir que l'auteur a écrit une autre œuvre qui est une plus ou moins suite si je dis pas de bêtises Bruno ne m'en veut pas si je fais une petite faute là-dessus parce que je ne me suis pas encore trop intéressée. Moi, je suis le Facebook de l'auteur, donc je savais qu'il écrivait une série. Mais j'attends parce que je crois qu'il est sorti pour l'instant qu'en format numérique. Et j'aimerais savoir s'ils vont le sortir ou pas en format relié. Parce que j'ai vraiment hâte de lire cette série. Et j'aimerais bien l'avoir aussi en objet de collection. Sinon, je m'achèterai le manga en version japonais pour l'avoir dans ma. Dans mes étagères, tant pis. Et donc, lui, il faut savoir aussi que c'est l'un des rares mangas que j'ai voulu m'acheter en format euh, japonais. Et c'était mon 2500e manga, je crois. Mon 2000e, je ne sais plus. J'avais fait pour un palier comme ça de manga. Je l'avais acheté euh, en version japonaise. Toujours est-il, ce titre est une tuerie. C'est une petite briquette, par contre. Donc, ça aussi, ça peut être un investissement. Et dans le genre société, éducation et quotidien. il était. À l'époque au prix de 9,95€, après je ne sais pas si ça a changé de prix ou pas, mais toujours est dit, c'est vraiment une tuerie et j'inviterai même vraiment tous les élèves à le lire et tous les professeurs à le lire car ce manga est très intéressant et pourrait faire réfléchir justement certains professeurs à leur comportement envers leurs élèves. Je ne dis Par contre, je tiens à préciser que je ne dis pas que vous êtes forcément des mauvais professeurs, mais juste que des fois, ce manga-là peut vous faire référence. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en like, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie pas que ça me permet d'avoir plus de visibilité, et donc de pouvoir te présenter plus de choses et avoir des contenus plus intéressants. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire, toi, ton top 5 ou ton top 10 selon la quantité de manga de Akata que tu as déjà lu et euh, n'hésite pas à me dire du coup quel est le manga que je n'ai peut-être pas encore lu que tu me conseillerais. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye